J'ai souhaité inviter des personnalités de la société civile, des héros ordinaires, qui tout le long de leur témoignage nous montreront combien l'injustice demeure dans notre société. Le débat de ce soir n'est pas une simple interpellation, mais c'est bien le début d'un chemin que nous ferons ensemble pour mettre l'égalité et la justice au cœur de cette campagne présidentielle. Ce n'est pas simplement pour moi un enjeu de campagne, un objet de polémique, un sujet de débat. Quand on aborde la conception de l'égalité et les moyens de la faire vivre, on touche en réalité au cœur même de ce qui est la France. Je veux parler non pas de la France qu'on hérite, mais de celle que l'on choisit. De cette France que j'ai choisie alors que j'avais 20 ans, pour l'amour d'un homme, pour l'amour d'un pays, par l'amour pour sa culture et ses traditions. Nicolas Sarkozy nous avait proclamé en 2007 que la France, on l'aime ou on la quitte. Je ne crois pas que c'est avec ce type d'oukase que se construit la richesse d'un pays. Ma conviction, et je l'ai faite bientôt, la France, on l'aime, on la choisit et on la construit ensemble.